on disait en gros il y a un an, il faut 240 jours à une entreprise pour se rendre compte qu'elle est attaquée. Il en faut peut-être plus que 180 maintenant, mais enfin, il faut une journée pour l'attaquant pour parvenir à ses fins. Donc ça doit faire réagir. Et pour nous, au Cesin et dans mon entreprise, c'est vrai que c'est un enjeu que d'être à même de pouvoir détecter l'attaquant avant que le malheur n'arrive. Faire évoluer la démarche de sécurité pour faire face à l'évolution des menaces, des technologies, des usages, ça, je crois que c'est un gros défi auquel on a tous à faire face. Et deux enjeux qui sont connexes finalement, qui sont l'accompagnement de l'innovation digitale de l'entreprise et la communication, la sensibilisation auprès des utilisateurs qui aujourd'hui, encore plus qu'hier, sont vraiment des acteurs clés de la sécurité des données de l'entreprise. On a une vraie problématique qui est de changer notre façon de faire de la sécurité au sein des systèmes d'information et de partir du principe qu'on a été compromis, qu'on est victime, qu'on le sait ou on ne le sait pas. Et par contre, il faut qu'on se dote des moyens de détecter très rapidement ces failles, ces vulnérabilités et de pouvoir réagir au mieux. Donc c'est un vrai changement dans la façon d'aborder la sécurité des systèmes d'information. C'est tout d'abord la digitalisation. On a un vrai besoin de renforcer les aspects digitaux. On a bien sûr une clientèle qui demande, un peu comme tout utilisateur aujourd'hui, plus de flexibilité, plus d'ouverture. On doit pouvoir répondre à ces besoins, donc accompagner ce besoin business tout en le sécurisant. L'enjeu de sécurité, de sécuriser les données est essentiel. Les enjeux sur les données à caractère personnel. Et puis pour moi, le plus gros enjeu, c'est tout ce qui va être ce qu'on appelle le mot magique chez nous, le digital, qui est un vrai enjeu business et qui aujourd'hui, je pense qu'on ne prend pas encore les bonnes questions. Pour moi, j'ai l'impression qu'on se fait dépasser par ces technologies. Tout le monde court à l'innovation sans en avoir vraiment la maîtrise. Et aujourd'hui, plusieurs incidents de sécurité, à mon sens, arrivent parce que justement, on n'est pas dans cette maîtrise. On est soumis à une forte contrainte sociétale. On est un service public, on a des utilisateurs qui sont en fait des usagers, qui sont des citoyens et qui veulent aujourd'hui pouvoir tout faire de chez eux, à n'importe quelle heure, du boulot, enfin, etc. Et donc évidemment, ça fait exploser le système d'information puisqu'il est obligé de s'ouvrir. Parallèlement à ça, il y a la tendance très forte de la Smart City, c'est-à-dire la possibilité d'offrir tout un tas de services, y compris en dehors du périmètre de j'allais dire régalien de la ville, mais d'offrir tout un tas de choses qui sont utiles aux citoyens dans sa vie quotidienne. Et donc ça aussi, ça fait exploser le système d'information, ça l'ouvre, et donc évidemment les problématiques de sécurité sont multipliées, démultipliées de façon très très conséquente. Sur notre DSI, la première tendance aujourd'hui, c'est clairement la sensibilisation. Il y a vraiment un avant et après Charlie, en fait, et donc un avant et un après 2015. La question de la sécurité des systèmes d'information est montée beaucoup plus vite que prévu au niveau direction générale. Et aujourd'hui, il y a un vrai sujet de sensibilisation de l'ensemble des utilisateurs. Les tendances actuelles sont des tendances, telles que je les ressens en tout cas, qui tendent à briser les credos ou les fondamentaux de la sécurité tels qu'on le percevait précédemment. Surtout chez Michelin, je dirais, qui est une entreprise traditionnellement pétrie de sécurité et de confidentialité, et qui avait tendance aussi pour son informatique à raisonner un peu à la mode de Blocos, Château Fort, Murailles et autres. Et les tendances actuelles qui sont le cloud, la mobilité, le collaboratif sous toutes ses formes tendent à briser ça complètement. Et donc on est à la recherche, enfin, personnellement, je pense que mes collègues aussi, on est à la recherche de nouvelles solutions, presque de nouveaux paradigmes, pour employer un mot savant, qui permettent de répondre à ces tendances-là. Protéger complètement toute l'exposition que l'on a sur le net, sur l'extérieur du système, dans l'objectif effectivement de protéger l'image du groupe,
et puis bon, les revenus aussi. La gestion des données des utilisateurs au sens large, les utilisateurs qui peuvent être les collaborateurs ou les clients, et notamment l'emplacement de ces données, est-ce qu'ils sont dans notre SI, est-ce qu'ils sont à l'extérieur, dans le cloud, est-ce qu'ils sont même parfois sur des espaces de stockage style Dropbox, des choses comme ça, est-ce qu'ils sont sur un téléphone portable ou une tablette, est-ce qu'elle est privée, est-ce qu'elle est professionnelle. Voilà, c'est toute cette gestion des informations au sens large, de leur localisation et de leur protection bien évidemment. C'est de ne pas se perdre sur la forteresse. On n'a pas de doute sur le fait qu'il y ait un certain nombre d'attaques qui passent, de choses qui se passent. C'est surtout de les repérer, d'être un peu moins dans le brouillard. Mouvement de la digitalisation qui se traduit en gros par une plus grande ouverture des systèmes d'information, elle est en marche. Et moi, j'ai l'habitude de dire que la digitalisation ne se fera pas sans sécurité. L'accessibilité à nos données, à nos systèmes d'information, on est comme beaucoup et tout le monde confronté au nomadisme et on a des clients qui accèdent à leurs données et à nos systèmes d'information de points très variés et donc on doit être capable d'y répondre encore une fois avec des solutions pas trop lourdes. Puisque les contraintes, elles ne doivent vraiment pas être très fortes pour eux, et en même temps, en les sécurisant. Je dirais mobilité, mobilité, mobilité. Ça passe par la gestion des identités, la gestion évidemment de ce qui se passe sur notre système d'information, et une très forte traçabilité. Et puis après, on essaye de détecter les signaux faibles et de réagir au mieux. On est à la croisée, en gros, de quatre grandes contraintes, qui sont les métiers, qui sont les citoyens, qui sont le management, parce qu'il faut lui apporter des visions très stratégiques, et qui sont, bien sûr, l'IT, la technologie, comment on fait pour la mettre en œuvre pour répondre à ces quatre questions, à ces trois autres questions, pardon. D'accord. D'être toujours en veille sur les nouveaux risques, les nouvelles menaces. Dans les compétences de mes équipes internes, puisqu'en fait j'essaye de me baser essentiellement sur de la compétence interne, c'est une des caractéristiques de Groupe Matmut, et à partir de là, d'augmenter cette compétence au cours des mois qui viennent. Je pense qu'il y a un véritable enjeu en termes de sécurité et de métier en tant qu'RSSI, que d'être complètement, je dirais, dans la stratégie de l'entreprise. Le temps du RSSI qui dit non et qui mange tout seul à la cantine, ça, c'est terminé. Maintenant, effectivement, il faut que le RSSI soit complètement plugué à la stratégie de l'entreprise.